l'Exode. Chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob, et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplèrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël, qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël.